Sur la famille, sur les animaux, sur la cruauté. Moi j'ai trouvé le film vraiment émouvant sur tous les points. On peut être triste quand GPS est morte. Au début, il y avait des sortes de tirs, des coups de feu. Les effets spéciaux étaient très mal faits et les acteurs étaient très mauvais. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'ennuie et c'est super dommage parce que c'est un sujet super important. C'est la violence faite par des terroristes et je pense que pas beaucoup de gens se sentent concernés parce que dans la salle, bien sûr, il y avait des gens qui riaient, qui regardaient leur téléphone et moi aussi je me suis ennuyée parce que voilà, les acteurs n'étaient pas très bons, mais je pense que c'est un sujet qui est très important et c'est dommage qu'on ne se sente pas assez concernés parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui rigolent quand on regarde un film de la Seconde Guerre mondiale et là ils se permettent de rigoler. Je pense qu'on les sensibilise pas assez et en plus c'est quelque chose de très important parce que ça se passe en ce moment et il faudrait peut-être faire quelque chose, des très beaux plans quand même, même si les effets spéciaux n'étaient pas top, je pense que le caméraman était très bon parce qu'il y avait des très beaux plans avec de très bonnes idées. Et c'est juste dommage parce qu'au bout d'un moment, il y a la mise au point qui se fait quand il est en train de filmer, donc bon, ça c'est un peu dommage qu'ils aient laissé ça. J'ai adoré le film, c'était cool. Super film, j'ai adoré. C'est juste que la fin, je m'attendais pas du tout à ça. C'était un peu bizarre, je m'attendais pas à ça et voilà. Et dommage la fin. Et je pense que c'est très courageux de la part du réalisateur de parler de ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui osent parler du terrorisme de Daesh parce qu'ils ont très peur des représailles. Donc je pense que c'est très important de parler de ça.